call it get dressed, call it in the sky time. If you ain't a pilot, you got it in the style. Said she was a stewardess, she won't know what to do with this. First I took the time. Bonsoir. Donc, on vous a présenté, c'est un peu fort, non, c'est bien. On vous a présenté donc une petite vidéo, un montage fait par Loïc Manzolini, des vidéos que vous pouvez suivre sur le site internet depuis le début de la saison. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que Loïc fait du bon travail cette année. Et il est même au bar. Je vais vous inviter à venir me rejoindre tous, le staff, le président, le maire, les joueurs, les coachs. M'abandonnez pas, soyez sympas. Alors, est-ce que tout le monde est là? Oui. Bon, ça y est. Alors, on peut commencer. Monsieur le maire, merci d'être venu, comme chaque année, à la soirée des abonnés et des bénévoles. Je vais vous donner la parole. Je crois que vous avez quelques petites choses à nous dire concernant la future nouvelle salle de sport, puisqu'il y a un calendrier qui a un petit peu bougé. Donc, nous dire rapidement, en fait, ce qui va se passer. Merci, Elsa. Bon, un salut collectif après vous avoir salué les uns et les autres individuellement. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver chaque année. Et en plus, je crois que cette année, le nombre d'abonnés a augmenté. Hein. C'est donc le témoignage d'un vrai travail qui est fait en direction des fidèles du basket. Je crois que c'est important pour l'équipe, pour le staff, pour la ville, pour tout ce que le basket produit sur Évreux, d'avoir une association de supporters, d'avoir des abonnés, d'avoir le sixième homme, dont le président et un certain nombre d'animateurs sont présents. Je crois que tout ça est tout à fait essentiel parce que ça donne une dimension festive, une dimension humaine, une dimension dynamique à la production des matchs, à la production sportive à proprement parler. Et donc bravo pour votre fidélité, merci pour ce que vous apportez à l'équipe et à la ville. Ça, c'est le premier mot que je voulais vous adresser ce soir. Le deuxième, c'est de vous souhaiter à chacun, chacune, une belle année 2013. Bon, en sachant que le contexte est quand même compliqué, hein, tout le monde le sait. Les familles ont du mal à joindre les deux bouts, les entreprises, pour certaines d'entre elles, tirent la langue, les commerces aussi, les collectivités locales sont étranglées sur le plan financier. Bon, bref, le climat général est quand même pas très très bon. Néanmoins, dans ce contexte-là, quand on compare par rapport à d'autres pays du monde, la France dispose quand même d'un certain nombre d'outils, d'un certain nombre de ressources pour pouvoir relever un certain nombre de défis. Évreux et notre agglomération, c'est pareil. Et donc, je suggère qu'en 2013, on mette en avant ce qui nous rassemble, ce qui peut nous fédérer, ce qui peut stimuler les énergies, pour au contraire essayer de d'avoir un état d'esprit positif et non pas négatif à rester chez soi en attendant que la tempête passe, mais au contraire rester dans l'action, rester dans le mouvement, de façon à pouvoir traverser la tempête dans les meilleures conditions, en sachant que, comme disait le chanteur, hein, après la pluie vient le beau temps, et donc de toute façon, il y aura aussi une situation d'après-crise qu'il faut préparer dès maintenant. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, j'espère que 2013 permettra à chacun de trouver son parcours professionnel. Et puis pour ceux qui sont atteints par des problèmes de santé, puisque l'emploi et la santé, c'est quand même les deux éléments essentiels de l'équilibre d'un individu et d'une famille. Pour ceux qui sont atteints par des problèmes de santé, je souhaite également qu'ils retrouvent meilleur état de santé. Troisième message que je voudrais vous faire passer, c'est effectivement une information sur la question de la salle de sport et de spectacle. Pour l'instant, on l'appelle toujours comme ça, on l'a pas encore baptisé. Alors, deux, trois choses à savoir. Premièrement, c'est un projet dont Évreux a besoin et l'agglomération a besoin. Dans le cadre de l'aménagement de la Haute-Normandie, le président de la région Alain Leverne y tient aussi beaucoup parce que ça permet d'équilibrer entre Rouen, Le Havre et Évreux, d'équiper la région de Normandie de plusieurs grandes salles
qui permettent justement d'avoir des dynamiques de territoire sportives, mais aussi culturelles, artistiques et autres. Donc cette salle est un outil indispensable, d'autant plus que cette vieille maison là dans laquelle on est, qui rend encore service évidemment, mais qui est une vraie passoire, hein, tous les jours on chauffe le ciel, hein, ça fuit partout, c'est pas accessible pour les handicapés, bon bref, on a tout faux sur un certain nombre d'aspects. Cette vieille maison donc, qui a rendu ses de loyaux services, voilà, il faudra passer à autre chose d'ici quelques années. Néanmoins, on a été confronté à un petit problème, hein, c'est que pour ceux qui suivent l'actualité locale, vous avez peut-être vu qu'il y a donc, 4 gros dossiers, 4 gros chantiers. La salle de sport et de spectacle, le théâtre, la SMAC, la scène des musiques actuelles, hein, qui doit avoir le jour à côté. Les travaux doivent commencer après l'été, là. Et puis l'école de Netreville. Bon. Et comme sur ces 4 dossiers qui étaient bien planifiés du point de vue du paiement par la ville, hein, du point de vue de, ouais, du paiement, hein, le dossier du théâtre a glissé dans le calendrier à cause des problèmes de fondation et d'un conflit avec l'architecte, et le dossier de la SMAC a aussi glissé à cause des problèmes de fondation. Bon. Du coup, le théâtre et la SMAC glissant, ils viennent en quelque sorte un peu percuter la salle de sport et de spectacle qui, elle, devait se réaliser. Bon. Et donc du coup, on se retrouve plus l'école de Netreville. Et donc du coup, la ville se retrouve à payer 4 gros équipements presque en 3 ans de temps. 2014, 2015, 2016. 4 gros équipements, 3 budgets de la ville, c'est trop. Bon, alors il y a 2 formules. On sait torturer les ménages, il y a 2 formules. La première, c'est de dire, comme ça se fait dans certaines collectivités, hein, Rouen par exemple avait renoncé à sa médiathèque, hein, c'est de dire, on a ce dossier-là, on l'annule. Allez, on passe à autre chose et on fait les 3 autres. C'est pas le choix qu'on a à faire, parce que l'école de Netreville, on en a besoin, la rénovation et l'extension du théâtre, on en a besoin, la salle de sport et de spectacle, on en a besoin, et la SMAC, on en a besoin. Donc on garde les 4. Simplement, puisqu'on garde les 4, à ce moment-là, on les réétale de façon à permettre au budget de la ville de pouvoir payer, non pas sur 3 ans, mais sur 5 ans, 6 ans, ces quatre dossiers. Du coup, effectivement, la salle de sport et de spectacle, au lieu d'une livraison 2016, ce sera une livraison 2018. Elle est décalée en quelque sorte de 2 ans, mais elle reste de toute façon au titre de la programmation de travaux nécessaires pour la ville, pour son aménagement. Et je rappelle que sur cette salle, eh bien, il y en a quand même 80% de subventions. État, région, département, agglomération, eux, 80% de subventions, 20% seulement payés par les Éboisiens. C'est une chance pour une ville que d'avoir un tel niveau de subventionnement. C'est le niveau maximum d'ailleurs de subventionnement qu'on peut obtenir. C'est une chance et donc il ne faut pas louper cette chance, d'autant plus que, comme je le disais il y a 3 minutes, ce beau paquebot, là, ou ce vieux paquebot, bah, voilà, à un moment donné, la préfecture finira par nous dire « ferme-le », comme la préfecture demande la fermeture des expositions parce qu'on n'est plus aux normes, etc. On a beaucoup d'équipements dans la ville, mais beaucoup qui n'ont pas été entretenus depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et donc du coup on se retrouve avec beaucoup de travaux à faire partout, y compris des travaux de voirie. Bon. Donc je ne veux pas être plus long là-dessus. Et c'est simplement pour en même temps vous rassurer sur le fait que cette salle reste bien au titre des grands investissements de la ville. Cette salle simplement est décalée de 2 ans. Bon, et puis après tout, la ville d'Évreux, elle survivra. Et puis l'important, c'est que du point de vue du budget, des différents budgets de la ville, mais aussi de nos partenaires financeurs, on puisse effectivement réétaler. Alors on a avancé un peu l'école de Netreville, hein, je dois dire. Au titre des choix, on a avancé un peu l'école de Netreville à peu près d'un an, hein, et le centre de loisirs de Netreville, parce que le quartier en a besoin. On a découpé le théâtre en 2 parties. D'une part, on restaure le vieux bâtiment avec les fondations, et d'autre part, dans un deuxième temps, on fera l'extension. La SMAC, par contre, les travaux doivent commencer donc après l'été, là, cette année, donc ça, le calendrier n'est pas bougé. Et puis la salle de sport et de spectacle est décalée de 2 ans, comme ça permet de mieux étaler, c'est comme un budget d'une famille, hein. À un moment donné, on ne peut pas payer la voiture, la maison, les vacances, etc. Du coup, on étale un peu plus, et puis voilà, puis on gère. En tout cas, ce sont les choix qui ont été faits par la ville. Bon, je dois dire que quand on explique aux uns et aux autres, chacun comprend qu'effectivement, le contexte est difficile aujourd'hui. Si éventuellement dans 1 an, 2 ans, 3 ans, la situation économique s'améliore, ça ne nous empêchera pas de toute façon de rapprocher le calendrier pour pouvoir éventuellement accélérer certains investissements. Pour l'instant, il vaut mieux être prudent et toujours volontaire et prendre cette décision. Et puis, vraiment dernière chose en 3 phrases, bravo à notre équipe pour le niveau sportif de ce début de saison. Je dois dire que on est tous, je sais que vous l'êtes aussi comme moi, très enthousiasmés match après match pour
le spectacle sportif qui nous est offert avec une qualité de résultat qu'on a rarement égalé quand même ces dernières années sur Évreux. Alors je ne sais pas où ça s'arrêtera, je ne sais pas si on ira en play-off ou pas, enfin ça en prend quand même sacrément le chemin. Et je dois dire que voilà, je suis toujours très heureux de participer comme vous au match de l'ALM Basket. Et du fond du cœur, je remercie notre belle équipe et notre entraîneur Rémi et puis tout le staff pour les beaux résultats qu'ils produisent pour les Évreuxiens. Merci à vous. Merci Gilbert. Alors, je vais me tourner vers Rémi, qui va venir avec moi, devant tes voix. Alors Rémi, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit mot sur ce début de... enfin, cette moitié de saison qui a très très bien commencé pour nos abonnés et nos bénévoles. Bonsoir. Bah, la première des choses, c'est que sur les quatre dernières années, mis à part le début de saison de l'année dernière, on a un gros renouvellement de l'effectif. Ça fait donc sur les trois saisons, sur les quatre dernières, on est à 12 victoires, 5 défaites à la fin des matchs allés. Qu'à chaque fois, on arrive à un classement très intéressant sur cette première phase. Alors, il y a 2 ans et il y a 3 ans, on a eu des problèmes de blessures. Il y a 2 ans, on se souvient que Drake Reed a été blessé juste avant les playoffs. Il y a 3 ans, beaucoup de blessures. Il y a 2 ans, on a aussi Philippe Da Silva qui avait été blessé. Donc cette fois, je vais croiser les doigts et on va espérer surtout garder notre effectif intact et sans blessé jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir vraiment défendre notre chance sur les playoffs et voir peut-être viser plus haut sur la saison régulière. Alors ça, on verra en fonction déjà du mois de janvier qui est assez compliqué, on va voir ce qu'on est capable de faire et voilà, si on est capable de garder notre cohésion défensive, notre cohésion à l'intérieur du groupe, la même envie de gagner chaque match. Voilà, si on a tout ça, je pense qu'on pourra prétendre à une très belle deuxième partie de saison parce qu'on a montré qu'on était capable de battre tout le monde. Voilà, il a même fallu que les arbitres s'y mettent pour nous battre à peau. Il y aura un match au retour, de toute façon. Merci Rémi. Alors, Philippe, je vais te laisser surtout applaudir les joueurs qui sont les premiers acteurs de cette réussite et qui sont vraiment battus comme des diables cette saison, même s'il y a eu quelques contre-performances, mais ça c'est le lot de chaque équipe. Maintenant voilà, c'est l'équipe qui aura le moins de contre-performances qui arrivera en tête à la fin du championnat, et on va espérer avoir un petit peu mûri sur nos 2-3 défaites de premier début de saison pour pas recommettre les mêmes erreurs. Merci Rémi. Et donc, le mot de la fin par mon cher président André Rostol. Bonsoir. Rémi dit c'est des joueurs. C'est pas des joueurs. Moi, je vais vous expliquer en 2 mots. Parce que là, tous les ans, je dis je vais voir ma mère parce que c'est son anniversaire, mais je vais voir le marabout. C'est le marabout qui dit nous de gagner en ce moment. Il fallait. Non, mais bon, vous n'avez aucun souci, donc on va arriver au sommet cette année. Donc, mais plus sérieusement, merci d'être présent ce soir. Ça me fait énormément de plaisir de vous voir parce que vous n'êtes pas comme les sponsors, vous n'êtes pas des sponsors. Un sponsor, on fait du business, on est là pour faire, mais vous êtes des abonnés, vous prenez votre abonnement pour toute l'année, c'est parce que vous aimez l'équipe, vous soutenez l'équipe, et c'est vraiment cet esprit-là que j'aime, et vous voir tous ce soir venir assister à ce repas, et pour qu'on soit tous ensemble, c'est vrai que je ne veux pas louper cette occasion, parce que c'est l'occasion de vous souhaiter tous ensemble cette bonne année. Et je voudrais le faire avec tout le staff. Il y a Loïc, viens par là, Loïc. Loïc qui nous a fait, qui nous fait toutes les vidéos qui se passent un tout petit peu pendant toute l'année. On a notre directrice bien aimée, elle est là.
Ben, ils attendent toujours que je loupe parce que je dis pupus, comme ça, ça me simplifie les noms. On a Delphine, que vous avez toujours au téléphone, et Charline. Donc c'est juste avec toute cette équipe-là qu'on arrive à maintenir, à faire quelque chose, et sans vraiment oublier Rémi, notre entraîneur. Et oui, Sylvain. Et Sylvain, viens demain, Sylvain, mais cache pas. Donc Sylvain et tous les joueurs qui se défoncent énormément. Ce que j'adore dans cette équipe cette année, c'est parce qu'il y a une... Oui, il est Fabrice. Fabrice, il est là. Fabrice, c'est pour les jeunes. C'est pour ça. Il nous prépare l'avenir, Fabrice. Donc, mais il participe quand même. Donc, merci à Fabrice. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette année, on trouve une équipe de camaraderie, une équipe... On a envie de gagner tous ensemble, on a envie d'aller plus haut. On a vu des joueurs qui sont arrivés ici et qui ont progressé énormément. C'est aussi grâce au coach, c'est aussi grâce à la confiance. Et toujours pareil, c'est cette camaraderie qu'on arrive à développer au sein de ce club. Donc merci à vous de nous soutenir, merci au sixième homme qui fait aussi vraiment de sixième joueur. Donc merci à vous tous, et puis moi je vous dis bonne soirée et bon appétit. Servir une paella au poulet, uniquement au poulet, suivi de la galette des rois. Voilà, bonne soirée, bon appétit à tous.